La reine de la corruption. C'est ainsi qu'était surnommée Yang Xiuzhu, la femme la plus recherchée de Chine. Ex-responsable publique dans l'est de la Chine, elle avait été accusée d'avoir détourné près de 40 millions de dollars de projets de construction. Elle avait même dit préférer mourir aux États-Unis plutôt que de revenir en Chine. Mais après 13 années de cavale, elle s'est finalement rendue à la mère patrie. J'assumerai mes actes et je souhaite ajouter quelque chose. Je conseille à tous ceux qui sont en cavale ou qui se trouvent dans un pays étranger comme moi de rentrer en Chine. Pensez-y. Je suis la personne la plus recherchée par la Chine et j'ai été traitée par notre pays avec respect. Alors s'il vous plaît, revenez. Yang a fui en 2003. Elle a vécu dans des endroits comme Singapour, la France, l'Italie et les Pays-Bas. Elle s'en souvient comme d'une période très solitaire de sa vie. Elle a dit avoir même travaillé dans des restaurants chinois locaux pour pouvoir échanger avec des compatriotes. En 2014, Yang est entrée illégalement aux États-Unis en utilisant un faux passeport hollandais. Mais les autorités l'ont arrêtée et elle a passé sur place près de 2 ans en prison avant d'abandonner ses efforts de demande d'asile. À l'extérieur, la douleur, les responsables en Chine ne la supportent pas. Mais nous le savons à l'extérieur. Revenez, fugitifs, il ne sert à rien de fuir. Il ne sert à rien de fuir et il n'y a pas de place pour la fuite. Depuis le 18e congrès national du Parti communiste chinois, Beijing a travaillé dur pour lutter contre la corruption. Le président chinois Xi Jinping considère la corruption comme étant la plus grande menace qui pèse sur le parti. Il a lancé une politique de tolérance zéro contre la corruption. Peu importe où ils se trouvent, les responsables corrompus en cavale n'échapperont pas à la justice.